Bonjour tout le monde. Dans la première partie de cette question, on cherche la masse de CO2 produit. Pour calculer cela, on doit premièrement équilibrer l'équation de la réaction. Maintenant, on cherche à trouver le nombre de moles de chaque réactif. Pour trouver le nombre de C, on utilise cette équation. Pour trouver le nombre de moles de O2, on utilise cette équation. Maintenant, on détermine le réactif limitant. On multiplie le nombre de moles par le rapport stoichiométrique. Il y a une vidéo sur comment trouver le rapport stoichiométrique. Donc, l'O2 est notre réactif limitant et ceci est le nombre de moles de CO2. Avec le nombre de moles de CO2 produit, on peut trouver sa masse. Donc, la masse est environ 72 grammes. Dans la deuxième partie de la question, on cherche la pression partielle de CO2 qu'on a produit. Avec le nombre de moles de CO2, on utilise cette équation. La pression est environ 1,17 atmosphères.